Et ce que j'attends surtout à l'issue de ce procès, c'est qu'une fois qu'on connaîtra vraiment la vérité, une fois que les faits qui sont relatés dans l'arrêt de renvoi de la commission d'instruction, qui sont quand même accablants pour ces trois personnes, surtout pour M. Hervé, je veux qu'ils reconnaissent qu'effectivement ils ont bien fait des fautes, qu'on aurait pu éviter la contamination de plusieurs centaines de personnes, et je veux que ça serve de leçon. Je vais demander d'ailleurs audience à M. Jospin et M. Chirac pour qu'on discute de ce problème et qu'on soit capable de changer la Constitution pour que des ministres devant un tel état de péril sanitaire soient capables de prendre des mesures dans la journée ou dans la semaine et qu'on ne soit pas obligé d'attendre des mois et des mois et des mois dû à des lourdeurs administratives ou à autre chose pour prendre des mesures afin que l'église soit sauvée. Voilà ce que j'attends principalement de ce procès. Je crois que c'est très mal parti et qu'on s'oriente effectivement vers une parodie de justice sans faire de procès d'intention aux juges eux-mêmes. Il va falloir voir ce qui aujourd'hui est annoncé et comment commence l'audience. Si elle confirme nos pires craintes, alors effectivement, ce sera une parodie de justice. MIR, ça veut dire ministère de l'Industrie et de la Recherche. Oui, dès le départ, c'est tronqué. Comment voulez-vous assister à un procès où vous allez voir les accusés qui vont avoir le droit de mentir et vous n'aurez qu'un droit, celui de vous taire? Nous, on a envie de hurler ce matin. On est complètement bouleversés avec mon mal pris. On va venir assister aux audiences. Et je crois que ça va être dur dans la salle de ne pas crier, de ne pas dire « mais attendez, nous aussi, on a quelque chose à dire ». Il ne faut quand même pas oublier que ce sont nos enfants qu'on a tués. Voilà, premier rang, et là. Premier, deuxième rang. Et là, aussi. Aussi. Ici, là. Cette place, elle a presque des chaises. Alors, l'audience est ouverte.